Oui, ou à votre maman, moi j'aimerais bien. Ouais. Vous avez eu son timide, ils n'ont pas du tout envie en général. C'est pour ça que je me permets d'en avoir beaucoup parlé avec eux, de répondre à cette question. Alors, j'ai précisé dans le film que pour moi, la véritable liberté, c'est toujours enracinée dans des structures et l'architecture puissante des structures, et donc on est très loin du laisser-faire. Mais les structures ne sont jamais des structures empiriques qui vous sont imposées, c'est quelque chose qui se développe de manière organique dans une vie commune. Il n'est pas nécessaire d'apprendre la socialisation, si je me permets comme ça au passage de répondre, la socialisation elle a lieu dans le vaste monde. Plus il est vaste, plus il y a socialisation. C'est le grand racin de la société avec ses différences. Qui, d'ailleurs, c'est notre exposition spontanée, c'est d'aller dans ce grand racin, dans le vaste monde, avec toute notre ouverture d'esprit d'enfance, n'est-ce pas, et de faire des rencontres. C'est ça la socialisation. C'est-à-dire d'aller vers les autres sans jamais tenir compte des ismes de cette société, d'aller vers les autres à bras et à cœur ouvert, sans tenir compte de leur couleur de peau, de leur religion, de leur métier, de leur salaire, etc. Mais c'est pour rejoindre le film d'Erwin, c'est encore une fois une question d'attitude et pas de méthodologie, parce qu'à chaque fois que vous parlez de méthodologie, vous partez de l'enfant, vous parlez de l'adulte et pas de l'enfant. Face à l'enfant, c'est soit un jeu de pouvoir, soit un jeu de confiance, c'est la peur ou l'amour. Et quand il y a un jeu de confiance, dire non, parce que c'est non. Dans votre, c'est vous qui définissez les noms, c'est vous qui définissez les peurs de votre monde, pourquoi pas. Dire non, si le non est minoritaire dans le quotidien, n'est pas un problème. Mais ça contient une autre chose. Pour l'enfant, il serait redoutable de rester à la maison avec sa famille. C'est pas ce qui m'est arrivé. On est fait pour aller dans le vaste monde, aller à la rencontre des autres qui n'ont pas les mêmes peurs.